Bon, en fait, j'ai dû refaire les niveaux en live, c'était un peu galère, désolé. Nous revoilà donc. On va pouvoir commencer l'émission tout de suite. Wouhou! Bon, j'ai un peu de statique, mais c'est pas grave. 3, 2, 1, 4. Et il est 2 secondes. Alors, en fait, je vais changer un petit truc parce que là, je me suis mis très près de mon micro. Ah oui, je vois le problème, j'avais trop boosté mon micro. Maintenant, ça devrait aller. Ok, je sais pas pourquoi il y avait encore du boost sur le micro. Et là, ça devrait être au bon niveau sans qu'il y ait de son. Voilà. 3, 2, 1, pop! Bonsoir à tous, ici Tolki pour une nouvelle émission de League of Legends où je pète la forme. Et donc ce soir, j'ai l'honneur, le plaisir et l'avantage de vous parler de la balance des blancs dégueulasse de ma webcam. Et en deuxième, de Kayle ainsi que du patch 3.10A. Parce que là, chez Riot, ils en ont eu marre de donner les mêmes noms à tous les patchs. Donc après le patch 3.9, 3.09, 3.10, ils se sont dit 3.10A. Je ne comprends pas la logique, mais nous sommes donc au patch 3.10A de League of Legends. Et j'ai plein de trucs super cool à dire dessus, ainsi que sur le personnage de Kayle. Donc une émission où je vais traiter deux sujets qui n'ont strictement rien à voir, tour à tour, tout simplement parce que comme ça va bien faire 1h, 1h30. Je vais avoir le temps de bien parler sur les sujets. Et après, donc, je ne vais pas jouer de partie. Ça crée que des tensions. Je vais juste rester sur le côté Theorycraft et sur le discours. Donc voilà, pas de gameplay aujourd'hui, je suis désolé. Aujourd'hui, on va parler et nous y voilà. Alors, patch 3.10A, ah, faut que je retrouve le fichier. 3.10A, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Patch 3.10A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est bon! On a tout mis en place. On peut aller chercher les patch notes et on va pouvoir en parler rapidement. Alors, teamliquid.net, est-ce que tout va bien dans le chat? Comment ça se passe? À refaire. Il y a quoi sur mon lit? Il y a des. Ouais, alors. Il y avait. Comment dire? J'adore Duel of Champions. Hein. Mais il y a d'autres choses derrière moi. Les gens intéressés ont reconnu. Et donc le patch 3.10A, c'est bon, j'ai la changelist ici, il fait super chaud dans ma chambre et je vais sûrement mourir de chaud avant la fin de l'émission. Je vais pas allumer le ventilo parce que mon nouveau micro du swag là, wow, vous voyez, est très sensible. Donc si j'allume le ventilo, vous allez plus avoir d'oreilles dans 10 minutes. Et donc ça fait qu'il fait une température du démon, malheureusement. Allons-y, sub-region, select region, non pas League of Legends, voilà. J'avais dû enlever en fait ce preset, je viens de m'en rendre compte là à l'allumage de l'émission et j'ai l'air très con. Et hop, le temps que je refasse bien ça, que je me remette bien sur le côté comme d'habitude, vous connaissez la ritournelle. Et voilà, on va pouvoir taper du texte dans ce petit Notepad++, le programme le plus intéressant et le plus important de l'histoire d'Internet. Je mets le chat là-bas. Vous êtes loin, mais il y a le chat quand même. Et donc, on peut enfin commencer. Donc, le patch 3.10, je mets le nom World Balance Patch, parce que le nom du patch est trop stylé. C'est le patch World. Donc, World, c'est la finale mondiale. World Balance Patch. Le nom du patch, déjà, lui-même, est trop stylé. Et donc, il a changé. Deux, trois trucs assez intéressants. Donc on va revenir dessus rapidement. Le blanc en premier a eu plus d'AD par level et de HP par de régène HP naturel. Qu'est-ce que ça change? Si vous posez vraiment la question, hein, je peux vous le dire. Ça change strictement rien. C'est des petits changements de chiffres qui sont pas le réel problème de le blanc. Bon, on voit le micro, mais je le mets un peu vers moi parce que je suis obligé de mettre sur le côté avec. Je viens de m'exploser le pied entre ma chaise et mon bureau. Donc, ça change strictement rien à Leblanc. C'est vraiment du quality of life. La HP régène, en gros, sur une minute complète, tu regagnes. Attention, roulement de tambour! 40 HP de plus.
Non, 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 je suis bête moi. 4 x 6, 24 HP de plus. 24 HP de plus. 4 HP par tranche de 10 secondes en plus. Et donc sur une minute, ça fait 24 HP en plus sur toute une minute avec sa régène HP de base. On s'en bat les couilles, littéralement, ça ne change strictement rien perso. Il gagne un petit peu d'AD par level. Cool. Sachant que l'AD d'un perso comme Leblanc qui passera jamais des auto-attaques, ça ne compte qu'au level 1. Who gives a fuck? Like, seriously, who gives a fuck about this? On s'en bat les steaks. Les changements à Leblanc changent strictement rien au perso. Et je comprends même pas pourquoi ils ont fait ces changements. À la limite, ils n'avaient pas besoin de le noter dans le patch tellement ça n'a rien changé. Mastery a été assez violemment nerf. D'ailleurs, on ne voit plus beaucoup. Mastery, gros nerf, plus de reset. Donc, le truc le plus important de Mastery, c'est que il a plus de reset. Mastery, maintenant, le cooldown des sorts est réduit par 70% au moment où on fait un kill. C'est-à-dire que si on a encore 10 secondes de cooldown, on fait un kill, il passe à 3 secondes. Donc, on soit 7 secondes, ça fait 70% de 10 secondes, donc il reste 3 secondes. Vous avez suivi. Donc, il n'y a plus de vrai reset. Mastery, quand il fait un kill, n'a plus de reset, quoi qu'il arrive. Même s'il ne reste qu'une seconde de cooldown, bah, il va lui rester 0,3 secondes après le kill. Il n'aura jamais de full reset maintenant. Je pense que c'est un bon choix, vu que c'était devenu un passif qui n'avait rien à voir avec son ulti, vu que c'est un passif général. Une fois que tu as mis un point dans l'ulti, tu as les resets à l'infini. C'est cool, il a plus les resets, il va retomber dans l'oubli, je l'espère, Farita 0 là. Et ça va rester un personnage particulier, c'est-à-dire chelou. Je préfère Tryndamere quoi, dans le même style, j'ai jamais compris l'engouement autour du Mastery, même s'il faisait quand même assez mal. Donc à côté de ça, ils lui ont baissé son attaque speed par level, ils lui ont augmenté la réduction de dégâts sur la branlette là. Et le Wuju Style a été nerf late et buff early. C'est des petits changements après qui changent rien. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est un bon choix. Et surtout, l'absence de reset, c'est cool. Le perso devient un peu moins face roll et un peu moins violent au niveau du snowball. C'est-à-dire qu'il ne peut plus se permettre d'attendre qu'une personne soit à l'OHP, d'être dans le team fight, de prendre le reset et de faire le pentakill garanti. S'il va dans le team fight late et qu'il arrive à faire un kill, il n'aura pas de reset. Et il aura l'air con pendant 5 ou 6 secondes. Donc ça change complètement sa façon de jouer. Et ça le rend assez mauvais, je pense. Riven, le plus gros changement. Riven, je vais être honnête, vous allez rigoler. Donc j'ai 500 games avec Riven en classé. C'est le perso avec qui je suis passé diamant 1 et tout. Petit point comique, j'ai pas joué Riven depuis le patch. Le changement, rien à la mentalité du changement, je suis pas fan. Elle peut sauter au-dessus des murs. Ça me donne pas envie de la jouer. Ça me donne pas envie de la rejouer en fait. J'avais un petit peu mis de côté depuis quelques temps. Et j'ai pas du tout rejoué depuis le patch. Et donc ça lui permet de sauter au-dessus des murs maintenant. Le troisième jump de Broken Wings, donc les Chicken Wings, comme je les appelle, où elle fait Chicken Wings. Les Wings maintenant lui permettent de sauter au-dessus des murs. C'est cool. En échange, il renvoie les gens vers le haut, c'est un knock up au lieu d'un knock back avant avec Riven. Quand tu mettais les ailes des Chicken Wings à quelqu'un, il allait dans la direction opposée au point d'impact au sol des Chicken Wings, donc tu pouvais renvoyer des gens par derrière et tout. Il y a plein de trucs trop stylés à faire avec Riven qui ont complètement disparu. Maintenant, tu l'envoies en l'air. Donc, il n'y a plus trop de mind game à partir du moment où tu as mis le knock up. C'est un knock-up, donc c'est plus facile à jouer, c'est plus simple, c'est-à-dire que si tu fais le combo comme un retard, tu vas renvoyer quelqu'un en haut et pas vers sa tour. Si tu savais faire proprement le combo, c'est-à-dire faire un clic droit dans le vide pour qu'elle fasse le knockback et que le mec revienne vers ta tour, c'est un nerf que j'aime pas. C'est pour simplifier le gameplay du perso, je suis un peu déçu. Mais après ça change quasiment rien, le fait qu'elle peut sauter au-dessus des murs est très cool. J'attends de voir ce que ça va faire, surtout je pense que ça buff beaucoup beaucoup Riven jungle. Riven est de base un très bon jungler qui tire très vite, qui peut tuer un camp en deux coups de cuillère à peau avec ses Broken Wings. C'est vraiment très puissant, Riven jungle, et donc ça la buff beaucoup parce que maintenant elle peut prendre des chemins de gank beaucoup plus complexes vu qu'elle peut sauter à travers les petits murs avec les Chicken Wings. Donc voilà. Shen, nerf encore. Les nerfs Shen, ça fait un an qu'on en a et je commence à plus
trop comprendre pourquoi. Je trouve pas que le perso OP. Il a toujours un team fighting de merde. En gros, si t'as mis un taunt sur moins de 3 personnes, ta team perd le team fight. C'est toujours un bon perso en V1, mais je suis pas super fan du fait de le nerf encore. Je trouve pas qu'il est OP. Après, au niveau compétitif, il est très vu parce que c'est un personnage safe, qui est dur à tuer, et qui permet de speed push quand on est derrière et qui ouvre du map control. Mais c'est juste le design du perso qui est comme ça. Et s'il nerf, s'il continue à le nerfer comme ça, il sera même plus viable. Alors que justement, c'est censé être le perso qui s'en sort à peu près partout, mais qui est exceptionnel nulle part dans les pics compétitifs, parce qu'il offre des choses qui sont très bonnes au niveau compétitif, entre l'ulti qui lui permet de speed push à l'infini et qui lui permet de faire des gros moves, et sa capacité à gérer les 1v2. Ok, c'est cool, mais ça fait pas gagner la game. C'est des trucs, on va dire, qui sont utiles dans toutes les situations, mais qui vont pas dans une composition particulière. J'aime pas trop ce nerf, c'est juste un nerf du bouclier, mais j'aime pas trop ce nerf. Donc voilà, Twitch, gros nerf des dégâts, je trouve, gros nerf des dégâts. Au niveau 1, ces dégâts ont été divisés par 2 sur le expunge, ça passe de 40 à 20. Hyper, en gros, ces trucs hyper violents qui étaient niveau 1, 2, 3. Il devient très différent et beaucoup plus dur à jouer, je pense, parce que là, Twitch, en plus d'avoir une faible portée, n'a plus des dégâts si ouf que ça. Donc je suis pas complètement convaincu par son efficacité toujours après ce nerf. Donc je pense qu'il est toujours viable, mais est-ce que ça reste un top pick d'AD? Je ne pense pas, le nerf des dégâts est quand même assez prononcé et ça se sent violemment. Zac et nerf, ça c'est bien. Zac, plus de ténacité sur l'ulti. Donc Riot, après avoir créé Singe il y a 2 ans, avoir mis 1 an et demi à se rendre compte que sa ténacité sur l'ulti, c'est complètement bullshit et ça voulait rien dire, et ils l'ont retiré. On fait la même connerie avec Zac de mettre beaucoup de ténacité sur l'ulti d'un personnage. Ils se sont dit, 2 mois après, ah bah c'est une idée de merde en fait. C'est la 2e fois qu'on le fait et on n'a toujours pas appris. C'est des idées de merde de mettre d'une ténacité, vachement de ténacité à des tanks qui font de base beaucoup de dégâts en AOE. Si en plus tu les rends increvables et tu peux même pas les CC, mais pourquoi Riot? Donc ils lui ont enlevé la ténacité sur l'ulti, c'est complètement mérité, ça voulait rien dire. Le mec il a appuyé sur R et tu pouvais plus rien lui faire. Bon, ils l'ont enlevé la ténacité sur l'ulti, très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle de la part de Riot et un très bon changement pour l'environnement de jeu. On va voir moins de Zac. Et donc son passif nerf. Le passif a été assez violemment nerf en cela que maintenant l'endroit pour choper les blobs, avant c'était ça, maintenant c'est ça. Donc c'est vachement plus petit, il faut vraiment aller marcher précisément dessus, ce qui veut dire se mettre un peu plus en danger pour aller choper les blobs. Et c'est à peu près tout au niveau des persos. Ce qui est très important par contre, c'est les changements des items. Les gros changements des items. Et ça, et ce qu'il faut retenir, c'est que Cutlass, Blade of the Wind King, moins de range. Donc la lame du roi déchu et le Bilge Water Cutlass ont perdu 100 de portée. C'est gigantesque. Les pertes de portée, c'est le truc le plus important dans LoL. Et ça la rend, à mes yeux, ça rend ces items complètement plus viables sur les AD. La lame du roi déchu, c'était cool sur certains persos, mais là, avec 100 portées perdues, vraiment, tu peux le classer, tu peux le caler que sur un tank qui a dive violemment sur toi, et en gros, en général, le temps que tu puisses le caler, t'es déjà mort. Donc je suis pas super fan de la lame du roi déchu sur les AD maintenant, après ce nerf de la portée. Le locket a pas beaucoup changé, le visage spirituel a augmenté de prix, bon, c'est pas un gros changement, mais il a augmenté de 125 et c'était mérité, il était complètement OP au patch 3.10 tout court. Et surtout, Phage OP, Triforce OP. Je comprends pas ce qui est passé par la tête de Riot quand ils ont fait ces items. Les items étaient balanced. La Triforce était balanced. Phage c'était balanced. Il y a les finales mondiales dans 3 semaines. Et Riot s'est dit, eh, on a une super idée. On va complètement changer un item qui influe sur l'équilibrage d'une bonne 20aine de persos 3 semaines avant les finales mondiales sans aucune raison. Ça sonne bien. Genre,
C'est une bonne idée. Mais sérieusement, qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Ils ont changé le scaling de la Triforce de 150% de la dé de base, donc le proc de la Triforce, à 200%. C'est une augmentation d'un tiers des dégâts du proc de la Triforce. En baissant son prix. What the fuck, Riot? Je sais pas ce qui leur est passé par la tête, sérieusement, avec ce changement. Il veut rien dire. La Triforce actuellement, c'est vraiment, vraiment, vraiment le meilleur item offensif du jeu single slot. Avant, la lame du roi déchu avait un peu pris sa place sur les personnages qui bénéficient beaucoup de l'attaque speed, avec sa grande portée d'actif, avec son effet on hit et compagnie. La Triforce, maintenant, la déroule, mais à 300%, c'est même plus drôle. Elle remplace même très bien un danseur fantôme dans certains builds de d'AD. Ça fait complètement son taf, ça donne beaucoup d'attaque speed, pas tant de crit que ça. Mais à côté de ça donne des HP, de l'AD, ça donne évidemment de la P, de la mana, le proc, le speed up. Le speed up qui est vraiment ridicule, donc le speed up du phage maintenant. Donc maintenant, phage, c'est plus un slow. Maintenant, phage, c'est un buff de movement speed. 20 de movement speed flat quand tu attaques quoi que ce soit. Bon, ça c'est pas ouf. 60 quand tu la cites un creep. Quand tu la cites un héros aussi. Mais 60 quand tu tues un creep. En gros, tu tues un creep et t'es Flash Gordon. Quand t'as le nouveau phage, tu tues un creep et tu te mets à courir à 300 à l'heure. Tu te mets à tracer toute la planète. T'es Usain Bolt quand tu tues un creep. C'est trop violent. Sur des persos, au hasard, Irelia qui peuvent aller tuer des creeps à côté des gens sans utiliser ses cooldowns avec son dash. Ça ne veut rien dire. Tu prends Irelia, tu fais phage, tu vois un mec à côté d'un creep low life, tu mets le cul dessus, tu le tapes en courant à 300 à l'heure. Et là, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, s'il part, tu lui dashes à la gueule! Ça ne veut rien dire, c'est ridicule. Le nouveau phage, il est beaucoup trop puissant sur Irelia. Sur Poppy, c'est vraiment pas dégueu. Poppy, qui à mes yeux a toujours été un pick viable, maintenant devient vraiment violent avec la nouvelle Triforce parce que là, ça devient vraiment, vraiment facile d'avoir ton Power Spike à la Triforce vu qu'elle coûte tellement plus cher. La Triforce coûte 3600 gold. À la base, l'item coûtait 4200 gold. Ça a vachement baissé quand même la Triforce. Tu le fais beaucoup plus tôt. Et maintenant, quand t'as la Triforce, mais t'es le roi du pétrole. Enfin, sérieusement quoi. Tu deviens un émir de Dubaï quand t'as la Triforce. C'est juste pété. Le Malais, ils ont rien changé. À peu près, je crois. Si ce n'est le recipe, il n'y a plus rien à voir, tu fais plus le phage. Maintenant, c'est pickaxe, James Belt, Ruby Crystal. En gros, c'est comme pour une Warmog, sauf que tu mets une pickaxe à la place des trucs de réjuve. La Warmog, vous savez, le truc qui a été nerf tellement violemment que plus personne ne l'a jamais build, alors que pendant un mois, tout le monde faisait que cet item. Et donc, c'est à peu près tout ce qu'il y a d'important. Il faut retenir que la nouvelle Triforce, c'est good. C'est strong. C'est vraiment un peu trop strong même. Et après, il y a des changements sur le 3v3 et Dominion. Et vous me connaissez, je vais pas les commenter parce que j'ai jamais joué à ce jeu. Donc j'ai pas envie de dire des conneries. Et ce sera tout sur le patch 3.10a. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Avez-vous des questions dans le chat? Allez, j'écoute. Des questions sur le patch 3.10A, en tout bien tout honneur. Genre, demander, vas-tu jouer avec une faute d'orthographe horrible et un smiley dégueulasse? C'est pas une question qui a à voir avec le patch 3.10A. Donc, on va se concentrer sur le patch 3.10A. Gunze a parlé de Trinity Kale. Il me l'a dit tout à l'heure, j'étais en train de stream, j'étais en train de stomp avec Kale. Il dit, vas-y, fais Trinité! Trinité, c'est de la merde sur Kayle. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Lame du roi déchu, le cooldown est passé à 90 secondes. Ah oui, alors la lame du roi déchu a maintenant le même cooldown que le Bilgewater Cutlass, ce qui est beaucoup plus logique. Est-ce que tu vas stream après sur ta chaîne? Ça dépend de mon degré de caféine qui restera dans le sang. Pou, pou, pou. Triforce à la place de roi déchu sur Vayne, est-ce que c'est viable? Je pense que après le changement, la Triforce c'est déjà un bon item sur Vayne. Et c'est vraiment cool parce que Vayne, son plus gros souci, c'est vraiment de rester à mid-range. Donc les auto-attaques te donnant de la movement speed, tu peux vraiment encore mieux kite avec la Triforce. Le proc, tu utilises très bien avec la roulette qui a 2 secondes de cooldown comme la Triforce au niveau 9. Moi j'aime bien Triforce sur Vayne. Après, ça se joue très différemment d'une Vayne Blade of the Rune King où tu peux face roll avec une Vayne Blade of the Rune King, mais tu auras un peu moins de DPS. Alors qu'avec Triforce, si tu utilises bien le proc et compagnie, tu peux moins face roll, mais tu vas faire quand même plus. Comment dire?
plus de dégâts sur le long terme. En fait, en termes de DPS brut, je sais même pas si la Blade of the Wound King fait plus de dégâts que la Triforce. Par contre, en termes d'utilité, la Triforce, c'est un outil magique parce que tu as le fucking speed up. Ezreal Trinity BT, est-ce que c'est viable? C'est même le build standard de Ezreal. Fâche sur un jungler, pourquoi? Vu que Fâche, c'est utile quand tu tapes des choses et quand tu fais un gang depuis la jungle, tu ne viens pas te taper des choses, donc ça peut... c'est un bon item sur des personnages dans la jungle, mais c'est pas un bon item pour la jungle et pour un jungler, pour son rôle de jungler. C'est un bon item sur des personnages qui se jouent dans la jungle, ça n'a rien à voir. Que penses-tu de Olaf? Ça n'a rien à voir avec le patch. Blue Ezreal, moi je préfère maintenant un Ezreal avec une Triforce plutôt que le Iceburn. Pourquoi le nerf de Twitch? Parce qu'il est mérité. Ils ont nerf I, pourquoi fait-il toujours aussi mal? Comme c'est un mêlée qui fait mal, il fait des dégâts, vous savez, c'est normal que les personnages fassent des dégâts. Il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça, mais tous les personnages font des dégâts, et c'est normal qu'ils fassent des dégâts. Après, il faut juste pas qu'ils en fassent beaucoup trop que les autres. Quoi d'autre? Quoi d'autre? J'écris l'Elban. Ouais, effectivement. Et c'est à peu près tout. Genre, il y a quelqu'un qui me demande Udyr Trinité, mais build des dégâts sur Udyr sera toujours de la merde. Toujours, sans aucune exception. Il scale bien avec Trinité, et il fera très mal avec Trinité, mais tu taperas personne si c'est une Trinité. Donc ça ne sert à rien. Et donc voilà. On va passer à Kayle. Parlons de Kayle. Et de Kayle sur laquelle je ne vais pas build de Trinité. Hop. Parce que. Ah là là, c'est de la merde. Trinité sur Kayle, vous me disiez, je suis désolé. Kayle. 1, 2. 1, 2. Alors, Kayle à mes yeux. J'ai soif. Je fais une pause verre d'eau et je reviens juste après pour la partie sur Kayle. Laissez-moi 2 minutes, le temps de boire et de mettre la chanson officielle de Kayle. A tout de suite. Comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est la danse de Kayle sur sa skin légendaire, en fait. C'est assez particulier, quoi. C'est Night of Fire. Et je connais la choré par cœur, mais je vais pas la danser. Nous revoilà donc pour la suite de l'émission. La choré, c'est pas très dur, hein. Night of Fire, c'est Night of Fire, tac. Après, tu fais ça. Après, tu fais ça, hein. Et après, tu fais tac, 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 Night of Fire. Allez, grande chanson. Elle est dans Dance Dance Evolution, la version Kinect de Dance Dance Revolution, où tu dois faire exactement la choré. Qui était sortie au Japon, en arcade, quand j'habitais là-bas. Donc, oui, j'y ai joué, j'assume complètement, je vis très bien. Mais c'est pas grave. Alors. Parlons maintenant de Kayle. Je vais un petit peu, 1, 2, 3, 4... réduire la taille du truc, on va refaire la fenêtre plus joliment, parce que là elle est chum, et elle est trop large en fait, et j'aime pas quand les choses sont moches. Hop. On se sent beaucoup plus large et à l'aise comme ça. Vous voyez pas du tout les 50 decks de Magic derrière moi, et donc Kayle. Pourquoi jouer Kayle? Question 1. Pourquoi jouer Kayle? Réponse simple. Parce qu'elle est OP as fuck. OP as fuck. OP as fuck. C'est le meilleur perso du jeu. Je dis rarement ça, mais Kayle actuellement ne veut rien dire, je trouve. Avec tous les nerfs qu'il y a eu de tous les autres persos et ainsi de suite. Vous savez, c'est une rotation des persos OP. Kayle a toujours été très sous-estimé. Et Kayle est hyper puissante. Kayle, c'est un personnage très fort. Il faut savoir le build, il faut savoir le jouer, il faut savoir ulti avec, et on va en parler. Parce que les Trinda Kayle, j'en ai marre. Les Trinda Kayle, je vais vous expliquer ce que c'est. Et donc, Kayle, c'est un très bon personnage, et dire que c'est un très bon personnage, c'est un putain d'euphémisme. Le personnage est incroyablement fort entre les bonnes mains, et même entre les mauvaises mains, c'est pour ça qu'il est très bon. Donc,
qu'elle n'est pas marrante à jouer, oui, un peu comme un AD, sauf qu'elle, elle a du burst. Elle a une ulti qui demande beaucoup de decision making, qui est un des seuls sorts à LoL qui demande du decision making, quand même, l'ulti de Kayle. Les autres sorts de LoL, c'est est-ce que je peux le toucher? Oui, je l'envoie. Kayle, il y a du decision making, du mind game dans son ulti. C'est un des personnages les plus intéressants du jeu et les plus durs à jouer proprement. Même la plupart des pros se loupent beaucoup. Et donc, on va pouvoir en parler. Spécificité. Alors, spécificité, spécificité de points. Mage à DPS continue. Rise, Karth, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est. Son style de jeu, c'est un mage. Donc, c'est un nuker au final. Mais qui a aussi des dégâts très soutenus sur le long terme. Comme Ryze, comme Karthus, comme Cassiopeia, comme quelques mages en gros, et elle fait vraiment mal, très mal, dès qu'elle arrive à taper quelques secondes, et en plus elle a un burst vraiment pas dégueu. Donc. Les faiblesses, on va parler vite fait de ses faiblesses, faiblesses de Kayle, pas d'escape. Et pas vraiment de mobilité, elle a un petit boost de vitesse. Mais la grande faiblesse de Kayle, c'est quand même son manque d'escape. Et pas d'escape. Et un early qui est à mes yeux weak. Contre des gens qui savent bien jouer. Contre un mec qui joue en perso mêlée, qui va aller dans ses creeps et qui va se laisser taper. Elle a un très bon early game. La plupart des gens sont pas aussi cons que ça. Et vont faire attention. Je demande à ma copine ce qu'elle fait. Elle est en train de jouer à Magic avec mon coloc en fait sur internet. D'habitude, regarde mon émission, je suis déçu. Donc, c'est un personnage qui est assez weak early contre les gens qui savent ce qu'ils font. Kayle a vraiment besoin de son premier item pour faire peur. Et c'est une de ses grosses faiblesses. Avant son premier item, elle va faire peur à personne. Donc, c'est ça, c'est fait. On va parler rapidement du build de Kayle. Build de Kayle, les items. J'ai fait beaucoup de théorie craft, Nashor into Lich Bane. Et Dieu sait que j'ai fait des calculs pendant des heures pour ça. Dans tous les cas, Nashor into Lich Bane, c'est le meilleur choix. Le Nashor et Lich Bane, c'est pas ce qui offre le plus de dégâts, mais ça offre le plus d'utilité. Le Nashor permet push très rapidement. Ça permet d'avoir la forme à portée de Kayle en permanence, presque. C'est rien que pour l'utilité, Nashor est vital. Et Lich Bane est un item que j'avais beaucoup sous-estimé, mais qui est magique sur Kayle. On va faire une petite parenthèse. Le Lich Bane en soi, c'est le meilleur item du jeu pour n'importe quel perso AP. Le problème est que la plupart des persos AP ont des animations d'auto-attaque beaucoup trop lentes pour vraiment l'utiliser. Karthus, théoriquement, Lich Bane est ce qui lui permettrait de faire le plus de DPS s'il pouvait lancer une auto-attaque en moins d'une seconde, ce qui n'est pas le cas. L'auto-attaque de Karthus, c'est un stun qu'il se met de une seconde, et c'est ça son plus gros problème, alors que Kayle a une très bonne animation d'auto-attaque, n'a pas de projectile, donc pas de particules. C'est très important, quand on lance une auto-attaque avec Lich Bane, c'est au moment où l'auto-attaque touche que le proc reset, vous savez, les 2 secondes entre chaque proc de Lich Bane ou Triforce, c'est au moment où ça touche que ça reset, avec Kayle, c'est instantané. Donc vous activez la forme à portée, ça active Lich Bane, vous mettez une auto, le timer de 2 secondes est directement relancé. C'est vraiment un item qui combo très efficacement avec tous les AP qui peuvent caler des autos. En fait, c'est très peu d'AP. C'est typiquement Twisted Fate, c'est typiquement Kayle. Et c'est à peu près tout, honnêtement. Les autres AP peuvent pas aussi bien utiliser leurs auto-attaques que ces deux-là. Annie, à la limite, il faudrait vraiment que j'atteste avec Lich Bane parce que sa longue portée d'auto lui permet de caler des autos en teamfight facilement. Mais après, ses sorts ont quand même une assez longue animation. Elle a une particule très lente sur son auto-attaque. Et donc, au final, ça va pas être aussi efficace que sur Kayle ou Lich Bane. Vraiment, j'avais sous-estimé le thème, mais c'est le meilleur item. Et tu fais Nashor Lich Bane, et après un Rabadon, un Void Staff, un Liandry, tu fais autre chose. Mais Nashor Lich Bane, c'est le core build, et après tu te démerdes, ça changera toutes les games. Après, au niveau des masteries, les masteries, j'ai enlevé le truc build, les masteries pour Kayle, il n'y a pas à tortiller du cul, il n'y a pas trop de raison de faire soit de la défense, soit un arbre utilité complet. L'arbre offensif sur Kayle est très puissant, c'est un personnage qui scale très bien offensivement et qui vraiment profite du fait de faire plus de dégâts sur le long terme. Il n'y a pas de tortille du cul, faut prendre l'arbre offensif.
C'est vraiment pas un personnage sur lequel t'as envie de prendre de l'utilité pour gank non-stop et avoir plus de CDR. Il n'y a pas besoin. Sur Kayle, tu vas faire une dent de Nashor pour le CDR. Sur Kayle, tu as déjà un boost de vitesse. Et en plus, ça va pas être la move speed ton problème. Donc, du 21-09. Au niveau des runes, soit vous êtes un poussi, vous faites AP classique. AP classique ou des balls. Et donc, ça, c'est ce que j'utilise. Des quintessences de Spellvent. Des rouges d'attaque speed. Et après, de l'armure et de l'AMR. Donc, AP classique serait de l'AP et de la pénétration magique. Ou de la pénétration hybride, si on aime la double pénétration. Ça dépend de vos préférences sexuelles. Mais sinon, c'est du spell vamp et de l'attaque speed. Ça, c'est mon build à moi. Parce que le spell vamp sur Kayle, c'est très puissant. Elle a une grosse nuke single target. Et late game, un gros Q de placé. C'est beaucoup de HP qui reviennent. Qui n'aime pas les gros Q après tout. Vraiment, on voit la barre de HP qui fait wouh! Quand t'as juste les 6% de spell vamp de la part des quintessences, c'est cool. Ça fait bien. En plus, ça proc sur l'auto-attaque, qui n'est pas un vrai effet on-hit. Donc, ça rapporte vraiment beaucoup de HP. Et j'adore le spell vamp sur Kayle. C'est vraiment une très bonne stat. Et c'est dur d'itemiser pour. On peut faire une Gunblade, on peut faire une Gunblade, ou à la limite, une Gunblade. Mais je sais pas. Ça. It doesn't feel right, you know. C'est pas le bon truc. Tu le sens dans ton cœur là, tu fais. C'est pas optime Gunblade sur Kayle. Et donc, je ne fais pas de Gunblade sur Kayle et je prends des quintés de Spellvamp. Et les rouges les plus efficaces pour leur prix, c'est l'attaque speed. Surtout avec mon build, je ne fais qu'un seul item d'attaque speed sur Kayle, qui est donc la dent de Nashor, qui donne 40% d'AS. J'en rajoute 15% à côté avec les rouges d'attaque speed. Et surtout, ça permet de pusher comme un gros porc dès le début de la partie. Hop! Comme ça, tu fais 1-1-1-1-1-1-1-1-1. Et tu as push ta lane efficacement, rapidement, sans risque. L'attaque speed, une stat de qualité. Et donc j'ai fait le tour de l'item et des items des masteries des runes, donc qui est le build de Kayle, c'est-à-dire ce que n'importe qui peut faire, appuyer sur des boutons, même pas vraiment en temps réel. Maintenant, les choses importantes de Kayle. Parlons-en, parlons peu, parlons mobile. L'ulti de Kayle, spoiler, pas la même. Pas la même que Trinda. Je suis désolé, je suis désolé. Je suis sûr, il y a plein de gens qui étaient persuadés que l'ulti de Kayle et l'ulti de Trinda mère c'était pareil. Ils se sont dit, c'est l'ulti, tu l'actives, tu peux pas mourir. C'est la même ulti. Je l'ai utilisée au même moment. Et en fait, non. C'est une idée à la con. Sérieusement, ça n'a rien à voir. C'est les deux ultis qui ont le plus rien à voir du jeu. L'ulti de Tryndamere, tu l'utilises quand tu es le plus low HP possible. Tu as 10 HP, tu appuies sur R, tu appuies sur le God Mode, le God Miché Mode, comme je dis, tu deviens monstrueux et tu défonces la gueule à tout le monde avec Fury Max, 1 HP, donc AD Max, grâce au passif de son Q. Et donc tu l'actives au dernier moment. L'ulti de Kayle, c'est l'opposé complet. L'ulti de Kayle, ça nullifie tous les dégâts que tu prends pendant 3 secondes. Donc, quand est-ce qu'il faut l'utiliser? Il faut l'utiliser le plus tôt possible quand tu es full life pour supprimer la plus grande partie d'un burst adverse. Si tu vois des projectiles qui te volent dessus, si tu vois beaucoup de dégâts qui t'arrivent dessus, c'est à ce moment-là qu'il faut utiliser l'ulti avant de perdre le moindre HP. C'est le contraire de l'ulti de Tryndamere. Il faut utiliser l'ulti de Kayle le plus tôt possible dans un teamfight. Dès que vous voyez les adversaires envoyer leur sort en majorité sur une seule cible, quand ils envoient 4-5 sorts sur la cible, vous voyez les sorts voler, vous faites ulti. Et là, le mec, il va prendre 0 dégâts. Ça fait quoi? 5-6, souvent une dizaine de cooldowns qui passent dans le vide, qui ne serviront plus à rien du teamfight. C'est monstrueux. L'ulti de Kayle bien utilisée fait gagner la game toute seule. Tellement elle est puissante, cette ulti. Donc voilà. Utilisez l'ulti quand vous voyez beaucoup de dégâts arriver à un endroit. Pas avant, pas après. Vous utilisez l'ulti quand quelqu'un va se faire burst et quand quelqu'un va prendre beaucoup de dégâts pendant quelques secondes. C'est quasiment toujours une idée de merde d'utiliser quand on va mourir. Parce que vous n'allez pas prendre de dégâts pendant 3 secondes. Les gens auront le temps de ravoir leur sort et vont utiliser pour vous tuer. Donc voilà. Le but de l'ulti de Kayle, c'est d'être utilisé quand les dégâts arrivent et pas quand vous allez mourir. Ça n'a rien à voir.
Maintenant, les skills. Donc, c'est assez intéressant, Tryndamere. Tryndamere. J'ai joué Tryndamere à ma dernière game pour ma défense. Kayle, c'est assez intéressant. Elle a le Q Fat Slow et Fat Nook. C'est en gros un sort qui ralentit beaucoup et qui fait super mal quand on a de la paix. J'ai un petit walker là de la salade que j'ai mangé tout à l'heure. Et donc, c'est cool. W Proker, je sais que c'est un mot qui n'existe pas. Proker de Lich Bane. Le W de Kayle, son heal, ça sert à rien d'autre si ce n'est à proc Lich Bane en fait. En gros, tu mets une auto, t'attends le cooldown de Lich Bane, et là tu fais hop, Drunken Fist, tu te heal, et là tu remets l'auto proc avec Lich Bane. Le Q, tu vas être obligé d'utiliser assez rapidement dans un trade parce que faut utiliser au maximum son cooldown assez faible et il faut le caler. Le E, tu vas rarement pouvoir l'utiliser pour proc Lich Bane plusieurs fois, si ce n'est la première fois. Le heal va te permettre, sans aucune animation, de proc Lich Bane. On s'en fout complètement du heal, on s'en fout du boost de vitesse en teamfight les trois quarts du temps. C'est cool hein, le petit boost de vitesse et le petit heal, mais surtout, le W, il faut bien le timer pour proc son Lich Bane une fois de plus et augmenter ses dégâts de façon considérable. Et le E, Fat AOE à l'auto, plus nos projectiles. Nos projectiles, voilà, j'ai mis un petit point. Donc, ça, le E, le Righteous Fury de la part de Kayle, ça permet évidemment de mettre beaucoup d'AOE sur l'auto-attaque, et ça tout le monde le sait, de clear les vagues. Surtout, ce qui est cool, c'est que ça donne une auto-attaque sans projectile à distance, ce qui permet de faire chier les gens d'une force, mais d'une force. Tu les traumatises bien avec le E. Et donc l'ulti, j'en ai parlé juste au-dessus. Donc voilà, au niveau du max, faut maxer le Q en premier parce que ça permet de bien trade. Et après le E pour le wave clear, vu que le heal, on s'en fout un peu. Donc, y a-t-il des questions sur Kayle? Et après, ça va être tout. Ça donne le E, ça donne une auto qui scale avec la paix. Effectivement, c'est le principe de Kayle et c'est ce qui la rend puissante. Est-ce qu'il y a d'autres auto-attaques sans projectiles? Je crois pas. Hein. Même Corki et Kate ont des projectiles très rapides, mais il y a des projectiles et je crois pas qu'il y a d'autres portées, d'autres attaques à l'auto à portée qui n'ont pas de projectiles. Nashor Lich Bane et puis des conseils, réfléchir. Nashor Lich Bane, c'est un core build que tu dois avoir en moins de 30 minutes. Après, il faut s'adapter sur l'argent qu'on a quand on back, suivant ce qui se passe dans la game, suivant les builds adverses. Après, je ne peux pas t'aider. Et c'est les itemisations classiques d'un personnage AP, un Rabadon, un Void Staff, un Léandry, un Zonia, un DFG. Vraiment, ça dépendra beaucoup de la gueule de la game une fois qu'on a ces deux items. Les boîtes Magic, parce que je joue à Magic, j'ai même fait des vidéos dessus sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse, mais ce n'est pas le sujet ici. Le rapport avec Trinda et Kayle dont je parlais, les gens les jouent pareil au niveau de l'ulti. Witsen sur Kayle est-il bien? Non, en fait Witsen dans l'absolu c'est un bon item sur les bruisers qui peuvent vraiment appliquer les 5 stacks sans mourir. Kayle en 5 auto-attaques doit avoir tué la personne. C'est un personnage squishy, quel que soit le build qu'on fait dessus. Witsen, c'est un bon item d'absolu, mais sur Kayle, c'est pas adapté et ça fait pas de dégâts. J'ai fait les calculs, c'est pas ouf. Kayle support, c'est de la merde. C'est un personnage qui est fait pour faire des dégâts. Elle offre pas assez d'utilité pour jouer en tant que support. Et en lane, elle offre pas grand chose au final. Pourquoi pas Triforce sur Kayle? Triforce est un très bon item si c'est le seul item offensif que tu fais sur Kayle. Mais je trouve que Kayle profite beaucoup plus de build full dégâts grâce à son ulti qui lui permet de passer, de faire passer ses dégâts quoi qu'il arrive. C'est comme Trinda, quoi. Tu peux build Trinda tank et il fait toujours des dégâts, mais je préfère toujours build DPS sur des personnages qui ont la possibilité de survivre. Tu aimes bien le skin légendaire de Kayle? Je l'ai pas. Boots de sorcier ou Berserker? Les bottes de sorcier sur Kayle,
Très bonne question de la part de Mouse Morrow. Donc Mouse qui demande les bottes de sorcier ou de berserk, les bottes de sorcier plus adaptées à Kayle. Bottes de berserker, c'est pas génial au final. Très chez une auto-attaque à portée sans particules. D'une certaine manière, ouais, mais elle veut rien dire l'auto-attaque de Thresh. Le Void Staff, ça augmente beaucoup les dégâts. Ça peut être bien de le faire early. Hein. Des fois, je le fais même avant de finir les autres objets. C'est un très bon item de base et ce qui augmente le plus les dégâts pour son prix. Kayle est jouable dans la jungle, au top, au mid et même en AD à la limite. En tout cas, en tant que DPS, elle s'en sort très bien. Ginzo, est-ce que c'est viable? Ginzo est un bon item, mais je trouve que le passif est pas ouf sur Kayle. Et ouais, pour moi, une Kayle, ça doit rester full HP dans un fight. Kayle, elle se fait toucher sans ulti, elle meurt. Donc, je suis pas fan de Ginzo sur Kayle. Quel deck joues-tu en moderne sur Magic the Gathering? Je ne joue pas en moderne, je ne suis pas un millionnaire. J'avais arrêté de jouer il y a 10 ans. Et donc je suis revenu après une pause de 10 ans sur Magic the Gathering. Et donc je n'ai pas de deck en moderne, je joue que en draft en limité pour l'instant. Et bientôt je jouerai en standard le jour où j'aurai des cartes. C'est quoi le passif de Kayle? C'est un shred d'armure et de MR en pourcentage qui monte jusqu'à 15%. Jusqu'à 15% de l'armure ou de la MR adverse détruite. Waouh, quel passif! Génial! C'est de la merde. Les counters de Kayle, il n'y a pas de counter dans LoL. Je resterai toujours moi sur cette ligne de pensée. Les counters à LoL, ça n'existe quasiment pas. Surtout quand tu as un personnage à portée qui a un bon wave clear. À partir du moment où tu as un personnage comme Kayle qui a de la portée et du wave clear, tu n'as aucun contre. Aucun contre, ça n'existe pas. Tu pourras toujours farm, donc tu ne seras jamais contré. Les seuls personnages qui peuvent avoir des contres, c'est les personnages mêlés qui n'ont aucun moyen de clear à moins d'aller taper les creeps au corps à corps. Là, ils peuvent avoir du mal contre un personnage range qui a pris l'avantage. C'est bien tout. Les contres n'existent pas à LoL. Pourquoi les pros ne jouent pas Kayle? C'est faux. Le mid des Velocity Esports, une des équipes en LCS, quoi qu'on en dise, joue principalement Kayle, Vile Rose, donc, mais il a été remplacé par Echo au milieu du split, mais Vile Rose était donc un joueur principalement de Kayle dans les LCS. C'est un personnage joué par les pros. Alexis joue Kayle, c'est juste un personnage un petit peu oublié, mais le personnage en lui-même est très bon. Hop. Les match-up défavorables. Mais les match-up défavorables, tu pourras toujours farm à 100% avec Kayle, tu t'en bats les couilles. C'est un personnage qui a du wave clear et de la portée. Elle a pas de match-up défavorable. C'est comme Kennen, c'est comme n'importe quoi. Qui peut clear à distance, en AoE, rapidement. Enfin, t'as pas à prendre de risque pour clear. À partir de ce moment-là, tu n'as pas de match-up négatif, tu pourras toujours farm. Si tu vas chercher loin 1v1, oui, il y a des personnages contre qui tu vas chercher la merde. C'est la vie. Le nom de ma chaîne YouTube TalkieCast. Vous pouvez aller voir. Il y a donc des vidéos Magic depuis quelques jours. Et il y en aura bientôt des vidéos pour les gens qui veulent débuter sur Magic. Hop, 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 hop. Pourquoi pas Liandry plus Runan? Parce que c'est de la merde. Hop, hop, hop. C'est une kill en face, quoi pick. Moi, je conseille le Rage Quit. J'ai mis, elle est OP as fuck, je pense vraiment. Je pense vraiment qu'elle est un des meilleurs personnages du jeu actuellement. Donc voilà. Et les gens me demandent toujours, est-ce que l'hydre marche sur Kayle? Oui, quand elle est mêlée. Non, quand elle est à portée. So much mind games! Enfin non, c'est... Quand le perso est mêlé, l'hydre vorace marche. Quand le perso est à portée, ça ne marche plus. Wop hop hop! C'est normal. C'est le... MT comme ça. Voracious Hydra. Les Raizos du QADAP, tu les connais pas par cœur, faut pas déconner non plus. Et donc, il y a quelqu'un qui parle de Yorick contre Kayle, genre Yorick se fait défoncer par Kayle, mais toute la game de A à Z, il se fait arracher la gueule. Pour rappel, Yorick c'est un melee très all-in, dans le sens qu'il peut pas clear en allant pas au corps à corps avec les creeps, donc il prend beaucoup de dégâts, et pour rappel, il se fait dérouler par une Kayle.
pourquoi spellvamp plus que de l'AP sur Kayle? Parce que Kayle scale pas tant que ça avec l'AP, et le spellvamp permet de clear la jungle facilement, permet de sustain en lane, et donc de rester plus longtemps en lane. Donc moi j'adore le spellvamp sur Kayle. Plus mid ou top, la Kayle, je préfère mid Kayle parce que tu peux farm les Wraiths et les loups très rapidement, donc je préfère pour pouvoir choper plus de farm efficacement. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qui est intéressant dans les questions sur le chat. Et donc, eh bien, ça va être la fin de cette émission de ce Talking Newbie du mardi 3 septembre 2013, du 21e siècle. Et donc, je vais vous dire une bonne nuit. J'ai plus rien à dire, vraiment, je suis en train de réfléchir au mot de la fin. Ce n'est que Nel, je ne sais que dire de plus. Demain, je vais faire un petit draft à Magic, je vais me faire défoncer la gueule. Souhaitez-moi bonne chance. Ceux qui ont envie de me voir rageant en solo queue, je vais lancer une ou deux games sur mon stream perso. Donc voilà, à très bientôt.